Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Shifter la chaîne. On voulait vous remercier de nous suivre toujours plus nombreuses et plus nombreux. Aujourd'hui, on se retrouve au CIK au Mans, là où on a finalisé tous nos tests de la saison pour la course des 23h60 avec notre CBR 125. Elle a subi quelques évolutions et on va commencer par les pneus. Donc il s'agit de pneus Moto 3 Dunlop en slick qui permettent d'avoir un grip bien plus efficace que du pneu d'origine. La mise sur l'angle est sensiblement équivalente, mais c'est surtout l'accroche sur le bitume. On a également une monte pour la pluie, hein, parce qu'on reste au Mans, faut pas déconner non plus. Ensuite, au niveau des amortisseurs, à l'avant, on va retrouver la fourche d'origine. Il n'y a pas 36 000 solutions, c'est une huile un petit peu plus épaisse, et des petites cales en hausse qui permettent d'avoir une compression différente de la fourche, qu'elle soit un peu plus rigide. Pour l'arrière, on remercie Honda 7ème Avenue, parce qu'on a un très très beau EMC Sport Shock 2. Esthétiquement, on a enlevé tous les carénages d'origine, on a enlevé une partie de la rainée d'origine, une partie de la boucle arrière, et on est passé sur des polis. Donc les polis, ça permet 1. D'alléger la moto, de 2. La protéger en cas de chute, donc c'est de la fibre. Et autant vous dire qu'on a pu les tester à 2-3 reprises, n'empêche, sur ces essais. Et ils font leur travail, hein. Puis il y a des petites protections maison qu'on a rajoutées à droite, à gauche. On a des petites protections aussi sur le pot d'échappement, parce qu'on a vu qu'il avait pris un petit peu... Bien entendu, hein, tout ce qu'elle a pris pendant la course, pendant les essais, elle a un petit peu morflé. On va la refaire entièrement avant la course, histoire qu'elle soit dans sa plus belle robe pour les essais, les qualifs, et puis prendre le départ de ces 23h60. Il n'y a pas grand chose qui a été fait. Les plaquettes, c'est du Brembo typé un peu racing. Le mètre cylindre, on a testé plusieurs choses. On était sur de l'origine dans un premier temps. Après, on est passé sur un PR16 moulé, un PR14 où on a vraiment un feeling assez sympa. Enfin, on a un feeling déjà. C'est pas qu'il est sympa, mais on a un feeling. Et puis du rite aviation, histoire d'avoir un peu plus d'endurance. Au niveau du poste de pilotage, on a gardé le strict minimum, c'est-à-dire le contour et la température moteur. Voilà. On a rajouté un petit Starlane histoire d'avoir les chronos de certains. On a un coupe-circuit qui va être installé pour la course parce que c'est obligatoire. Les demi-guidons d'origine, ils ont été remplacés par des demi-guidons un peu plus typés racing. On est resté au-dessus du T de fourche quand même pour avoir un petit peu de confort sur une course d'endurance de 24 heures. Il y a une partie de nuit, donc on est obligé d'avoir un phare avant, feu arrière et également un feu de pluie arrière. On aura également pendant la course des petites LED latérales histoire qu'on puisse repérer la moto à différents points du circuit. On a coupé un petit peu la boucle arrière histoire de grappiller encore quelques grammes si ce n'est kilos. On a fait une magic box comme Alex aime bien l'appeler derrière où bah, c'est un fourre-tout, hein, mais la batterie, les câbles, les boîtiers, régulateurs de tension, etc., etc. On a mis une petite selle, une petite mousse de selle. Alors c'est pas que pour le confort. Même si le postérieur de notre ami Damien en est ravi, ça permet également aussi de ne pas trop glisser sur la selle. En ce qui concerne de ne pas glisser sur la moto, sur le réservoir, on retrouve des grips de réservoir. Donc c'est des pads de caoutchouc. Bon, et là ils sont un peu dégueulasses, ils ont pas aimé la chaleur je pense. On va acheter des vrais chez les sponsors. Ça permet de maintenir la moto au freinage et sur l'angle avec les genoux, plus facilement. Voilà, ça évite de glisser sur le métal du réservoir. Partie cycle, on a également mis des commandes reculées, ça permet d'avoir différents réglages possibles, d'avoir une position qui est beaucoup plus racée. En ce qui concerne la partie moteur, on n'a pas fait de grandes modifications. Une admission avec un filtre à air racing et un échappement racing. Là, on va essayer de la repasser au banc, voir combien elle a par rapport à l'origine. Vous savez, elle avait sorti 11,3 chevaux. Enfin, je pense pas qu'on ait gagné 2 ou 3 chevaux, 1,5, 1,7, allez, à tout casser. Bah, limite, je vous laisse dire dans les commentaires, vous, combien vous pensez qu'elle ait pu gagner avec cette petite préparation moteur. Et en termes d'habillage, on est sur un kit déco RSX Design. Des partenaires également sur cette compétition, sur cette aventure des 23h60. Donc ça, c'est la robe d'hiver, des tests hivernaux, un petit peu comme les grandes équipes. Hein. On a tous des grands, sauf le talent. Donc pour la moto, une partie des pièces, on va remercier Honda 7ème Avenue. Sans eux, le projet aurait été beaucoup plus compliqué, j'ai envie de dire. On va également remercier Square Floor pour les dalles de sol, ULED pour les lumières dans le box. Bien entendu, Speedway, Motul, Dunlop, Motostation, Flashbird, Mission Apéro, 25 Power.
Le circuit Carole. Petit clin d'œil aussi au motoclub France Laverda qu'on avait rencontré au salon de la moto et qui avait également participé à la petite cagnotte à leur hauteur, et ça fait toujours plaisir. On remercie tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin sur ce projet. Il n'est pas fini, on compte encore sur vous. Et puis bien entendu, on va parler de la chose la plus importante qui sont de défendre les couleurs, de vaincre la mucoviscidose. Et pour ça, on a un pilote d'honneur qui est Thomas Lebouvier, qui lui est greffé depuis 15 ans maintenant, des deux poumons, et qui va participer avec nous sur cette course. Voilà. Donc vous l'avez déjà croisé sur sa chaîne, je pense, sur son Instagram, on met tout en description. On vous remercie d'avoir regardé toute cette présentation et d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures sur C23h60. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, d'activer la petite cloche. Allez, à bientôt.